Salut les filles. Je peux vous aider, monsieur? Vous me connaissez forcément, je suis l'organisateur de l'Urban Trail. J'ai rendez-vous avec Benet. Madame Brolls? Oui, bah oui, Benet quoi. Mais vous êtes sûr de vous, monsieur? Bon, laissez tomber, je sais où c'est, je connais tout le monde à Poitiers de toute façon. Elles sont marrantes quand même, elles font semblant de pas me reconnaître à chaque fois. Hey, salut Benet. Je préfère que vous m'appeliez Bénédicte, monsieur Augereau. Moi c'est Augeron, Augereau c'est les galettes. Alors Benet? Bénédicte. Oui, Bénédicte. Cette année, c'est une année un peu particulière. Nos participants ont essuyé un hiver rigoureux, difficile. Il n'a pas fait beau, donc on pense qu'ils vont arriver avec une forme plutôt type de flemme. La flemme olympique, même, je dirais. Du coup, il va falloir qu'on s'adapte. Je vais aller faire la tournée des partenaires et on va étudier avec eux comment rendre un peu plus facile le parcours. Très bien. Nous, de notre côté, à l'Office du Tourisme, on a un nouveau concept, l'upcycling. Non, mais je t'arrête tout de suite, il n'y a pas de vélo. C'est pas du vélo, l'upcycling. L'upcycling, c'est la façon de prendre des matériaux que l'on rénove ou par exemple des bâtiments également. Des vieux bâtiments que l'on met en lumière. Ça plaît beaucoup aux Poitevins expérimentés et je connais une petite dame, André, et moi je suis sûre qu'elle va apprécier les lieux et qu'elle va emmener toutes ses copines. Ça peut faire venir du monde, pourquoi pas. Hein. Bon, Béné. Bénédicte. Oui, Bénédicte. Je trouve qu'on s'est bien réparti les rôles. Merci de m'avoir reçu. Maintenant, je te dis au 14 septembre. Urban Trail de Poitiers. N'oubliez pas de vous déshydrater.